we are in Ron Amir's show, somewhere in the desert. The show traveled here from the Israel Museum in Jerusalem. The show focuses on asylum seekers from Eritrea and Sudan that were held in the Negev Desert in the south of Israel. Ron is interested in showing us something that maybe at first sight would look like landscape photography. But when we look closer in the details, we see all sorts of objects left there, all sorts of stories, and we need to make sense of them. Ron Amir is a great documentary contemporary photographer who doesn't show us the asylum seekers in his photography. You see different places that asylum seekers built. I think that it's important to deal also with those community because we can learn a lot about our place, we can learn a lot about our society. Ce qui est intéressant dans le travail de Ron Amir, c'est qu'il se place en ligne directe avec l'histoire de la photographie documentaire. Un point de vue qui est toujours le même, très frontal, un travail à la chambre extrêmement précis. Et on a un peu l'impression d'arriver après que l'humanité ait disparu, en fait. Ron Amir is famous for working for long-term projects in communities in which he is very much engaged, you know, he knows them personally. They're really part of Israel, part of the society, and it's really part of the Israel DNA. Ron Amir est un jeune artiste dont c'est la première exposition solo à l'étranger, hors d'Israël. Son exposition a quelque chose d'universel, et d'ailleurs le titre en français, qui a été choisi en français pour cette exposition, quelque part dans le désert, n'est pas une traduction du titre original, puisque le titre original en anglais, c'est Doing Time in Holot. Et cette question de l'universalité, elle a été au cœur de nos discussions souvent avec le commissaire israélien. Et c'était important pour nous que ce sujet des migrants, ce sujet des réfugiés, puisse être présent dans une saison comme la saison France-Israël.